Et voilà, petit poisson pris avec les sacs solubles. À peine posé, à peine démarré. Il a fallu attendre 5 minutes pour que ça démarre. Donc ça montre bien l'efficacité des sacs, même sur des... Comme ça, on voit les poissons bouger, bah, c'est redoutable. On va la remettre à l'eau, on va reposer un sac, et on va continuer à attraper des poissons. Un beau poisson. Une bonne journée. Un poisson qui doit bien faire. Je crois qu'on a renouvelé. Un des beaux poissons de l'étang. C'est bon ça. Parfaite dans l'inférieur. Un montage que j'affectionne pour mes sacs PVA. Je rotine sur le bas de ligne pour que mon appât soit décollé de quelques centimètres et ça marche. Récidive. Après la petite commune, une magnifique miroir de 13 kg. L'un des plus beaux poissons de l'étang. Pour un plan d'eau que la moyenne est de 5-6 kg, ouais. C'est vraiment une joie pas possible d'en faire un poisson comme ça. On va remettre ce poisson à l'eau pour en capturer aussi les plus belles.
Alors, je vous présente le montage que j'utilise pour pêcher en sac soluble. C'est un montage inline avec un badding relativement court qui fait entre 10 et 15 cm. Le badding en lui-même est réalisé avec un hameçon de type curve, taille 9, à 2 cm, 1 cm, 2 cm de l'œillet. J'ai une chevrotine qui me permet de faire une articulation pour que mon appât flottant se positionne au-dessus du sac soluble. Pour ma pêche en sac, j'utilise des appâts visuels, donc flottants, pour avoir un contraste au-dessus du sac plutôt que d'avoir un appât dense qui reste au fond. Du pelot flétant, 6 mm. De la mojo, de la farine de viande et puis de la Jégold. La Jégold, normalement, c'est pour les pêches difficiles, mais moi aussi, ça convient très bien, quoi. Un sac confectionné, prêt à rejoindre l'eau pour attraper d'autres poissons.
Ouais, alors pendant une petite période d'accalmie, je vais vous présenter ma technique pour ce point d'eau aujourd'hui. Ça consiste à pêcher exclusivement en sac. Donc avoir un amorçage vraiment avec le sac ultra précis quoi. Avec une hêche de petite taille, flottante ou équilibrée. Et on a vu aujourd'hui sur ce plan d'eau que les touches étaient vraiment ultra rapides quoi. On avait des départs 5-10 minutes après avoir lancé les cannes à l'eau. Bon après la température oui et puis la météo est avec nous donc c'est un peu plus facile que la semaine dernière. Je repars à sac, le relancer et avoir une autre touche. Pour finir cette journée de pêche, deux beaux poissons sont en rendez-vous visite en entrée. Cette petite miroir. Et après, cette magnifique commune. Waouh! Quelle belle façon de terminer cette journée de pêche. On a accumulé les 15 départs. C'est une journée réussie.